Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un unboxing de figurines. L'unboxing de la figurine numéro 24 de la collection Marvel Eagle Moss, issue des films, avec le personnage de Nebula, issu des Gardiens de la Galaxie, le premier volet. Donc une figurine que je n'attendais pas spécialement, mais bon, qui a son importance. Voilà, comme j'apprécie beaucoup les Gardiens de la Galaxie, je trouvais ça intéressant de la prendre. Comme d'habitude, avec cette figurine, vous avez un fascicule qui vous expliquera quel est son rôle, à quel moment Nebula a été incrustée dans les comics, vu que c'est la fille, je crois, originelle de Thanos, même s'il l'a destroyée un peu, c'est pour ça qu'elle est devenue une sorte de robot, enfin bref. Et c'est un personnage assez important, car je sais que dans les comics, elle arrive à subtiliser le gant de l'infini à Thanos à un moment dans une des histoires. Voilà, sinon vous avez dans ce fascicule l'actrice qui l'a joué, et à la fin, comme d'habitude, la prochaine figurine qui va sortir 2 semaines plus tard, qui dans ce cas-là est Hawkeye, c'est-à-dire une figurine que j'attends car il fait partie des Avengers et c'est l'un de mes personnages préférés. Nous allons ouvrir cette figurine pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, vous avez un petit fascicule, un petit papier qui atteste de l'authenticité du produit. Hop, on ouvre, on va voir ce que ça donne. Toujours être muni d'un couteau pour les scotch. Voilà. Donc nous avons une figurine assez petite, parce que bon, la position elle est à genoux. Dans l'ensemble, la figurine est assez bien modélisée, assez bien faite. Par contre, un peu de défaut de peinture. Voilà, les yeux sont pas trop mal faits. Bon, je vais pas aller jusqu'à dire qu'on reconnaît spécialement l'actrice, mais bon, on peut pas négliger que c'est Nebula, quoi. Sinon, vous voyez, la figurine est assez bien réussie, c'est vrai. Ça va, c'est pas mal, faut avouer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.